Ok, c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai quasiment fini le montage de la vidéo du premier vlog. Du coup, il faut que je le termine. Il faut que je termine mon site internet parce que ça va pas du tout. Il y a plein de trucs qui vont pas. Je m'occupe de ça vraiment, que ce soit terminé. Dès que je change quelque chose au site aussi, je demande à Ange qui est ma modératrice, qui m'épaule, je sais pas pourquoi elle fait tout ça. D'ailleurs, c'est obligé qu'elle regarde cette vidéo, donc je te remercie, Ange, encore une fois. Donc, à chaque fois que je modifie quelque chose sur le site, Ange a aussi accès au site internet et à l'éditeur et elle corrige s'il y a des erreurs en fait. Une bonne chose de faite, maintenant je pense que faudrait que je sorte un petit peu Lola et ensuite je vais dessiner quelques sucettes, quelques nouveaux petits personnages que je pourrais faire, essayer de trouver des idées. Et je vais aussi me mettre à faire des fiches techniques pour expliquer à des personnes qui débuteraient dans le sucre comment faire des petits personnages très simples. Jeudi 4 janvier, je suis rentré du travail. S'il y a du bruit, c'est Lola qui est en train de faire la bête. Donc hier soir j'ai fait quelques croquis, j'ai fait quelques dessins pour de nouvelles sucettes. Je n'ai pas filmé, il n'y avait rien de très très intéressant, mais j'ai quand même quelques idées qu'il faudrait que je fasse. J'avais prévu de faire des caramels mous, finalement on va pas faire des caramels mous parce qu'il me faut du beurre parate. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle sucette et aussi une fiole en sucre qu'on remplira de bonbons. Pas très bon au bricolage, j'aime bien, je trouve ça rigolo, tout ce qui est manuel de toute façon j'aime bien, mais j'y connais pas grand chose. Bon bah du coup je suis bien embêté, visseuse, pas de batterie, j'ai mis à recharger là, c'est bon. Il est déjà 16h, ça passe super vite. Le temps de manger, on est allé se balader avec Lola, le temps de faire un peu de ménage dans l'appart, et ça y est, il est super tard. Donc on remet le présentoir à demain, va falloir le vernir aussi, pour pouvoir le nettoyer, puisque c'est de l'alimentaire. Donc voilà. Donc là, je vais faire une fiole en sucre, avec dedans, mettra des bonbons. Voilà. Le concept, ce sera qu'on peut manger les bonbons, et quand on aura fini de manger les bonbons, ce sera des berlingots dedans. Eh bien, on pourra manger la fiole en elle-même. Une fois que le contenu est mangé, le contenant sera à manger. J'ai encore percé mon gant, j'en ai marre de percer tous mes gants. À chaque fois, j'arrive pas à trouver des bons gants. Donc si vous avez des bons gants, une adresse, dites-le moi si vous voulez. Je sais pas trop, un peu mitigé. Alors pour le logo dessus, on repassera. Hein. En fait, je voulais faire une tête de mort, et puis peut-être pas quand même, ça craint. J'aurais dû faire une écriture, l'écriture de mon univers. Enfin bref, pour le reste, je sais pas trop. En fait, je voulais, il devait y avoir un bouchon de liège, mais il aurait été trop gros donc. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse une ouverture un peu moins grosse, histoire de pouvoir mettre le bouchon de liège? Je sais pas. Je viens de voir qu'ils sont en train de se moquer de moi sur le Discord. J'aime bien ta nouvelle coupe de cheveux en mode mignon. Voilà, on va s'arrêter là. Je viens de faire le montage de toute la vidéo. Et bon, on va dire que les deux jours là ont été un peu catastrophiques entre le support que j'avais plus de batterie dans la visseuse, dans la perceuse pardon, la fiole, je suis pas très content, j'ai pas eu le temps de faire la sucette. J'espère que ça ira mieux les jours qui suivront. Il y a des jours comme ça veut pas, c'est comme ça, c'est pas grave.
cas, je suis content. Merci beaucoup aux personnes qui regardent le vlog, qui suivent, qui regardent le lendemain, enfin, quand il y a un nouveau vlog qui sort. Ça fait vraiment très très plaisir. Du coup, vous êtes une centaine, vous voyez, je disais, même si vous êtes 20, c'est pas grave, vous êtes une centaine, donc c'est génial. Je suis vraiment très très content. Et bien, je vous dis à la prochaine.